May God bless and keep you always. Salut mes chatons, j'espère que vous allez tous bien. Je crois que cette phrase-là n'a jamais eu autant de sens que dernièrement. C'est la première fois que je reviens en vidéo, en tout cas tout ce que vous avez vu précédemment sur le blog depuis les événements, c'était des choses que j'avais pré-filmées ou en tout cas préparées bien à l'avance, vous me connaissez. Et j'avoue que ça m'a pas mal servi dans ces moments-là parce que j'avais aucune envie en fait concrètement de filmer. J'avais aussi du mal à savoir comment aborder ce genre de truc. Donc effectivement, ça m'a fait du bien de prendre un petit peu le temps. Maintenant, les faits sont là, je reviens aujourd'hui. Et en plus, c'est pour vous parler de favoris du mois. Donc autant vous dire que le mois de novembre, c'est pas franchement un favori pour pas mal d'entre nous. J'en ai encore la gorge qui se noue, mais voilà, Je pense fort à vous les enfants, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous profitez de la vie, tout simplement. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes produits favoris de ce mois-ci, parce que, évidemment, j'en ai plein, évidemment, j'adore faire ça, donc je vais continuer de le faire avec un énorme plaisir. En plus, là, présentement, on est lundi midi, mais le jour où vous allez voir cette vidéo, on sera dimanche et ce sera le jour de mon anniversaire. Donc autant vous dire qu'à mon avis, j'aurai la gueule dans le sac, j'aurai un mal de crâne jusque-là, mais je serai aussi probablement entourée de plein de gens que j'aime et qui me le rendent terriblement bien, donc voilà, c'est encore une raison pour moi de profiter de la vie et de savourer la chance que j'ai, encore une fois. Profitons des gens qu'on aime et faisons ce qui nous fait plaisir. Et aujourd'hui, ce qui me fait plaisir aussi, c'est de vous parler de mes produits favoris du mois. C'est parti tout de suite avec les produits maquillage. May your wishes all come true. Je commence tout de suite par une énorme découverte que je fais évidemment 15 000 ans après tout le monde. Il s'agit du fond de teint infaillible 24 heures mat de chez L'Oréal, qui est sorti il y a quelques mois déjà, et d'ailleurs Amandine en avait parlé dans une de ses vidéos favoris je crois. Mais comment vous dire que Amandine, quand elle parle de produits pour le teint, moi je la laisse brailler. C'est-à-dire qu'Amandine, elle a pas franchement les mêmes galères que moi. Ce qu'elle aime, c'est des trucs hyper légers, hyper naturels, et voilà, souvent moi ça me correspond pas parce que bah, j'ai besoin de camoufler des rougeurs, j'ai besoin de camoufler... 15 000 boutons comme j'ai en ce moment, tellement je suis stressée par tout ce qui se passe. Donc j'ai des besoins différents d'Amandine, mais pour le coup, là-dessus on se rejoint. Ce produit est magique. J'avais terminé ma CC crème de bourgeois dont je vous ai parlé dans les produits terminés la semaine dernière justement. Mon autre teint de chez L'Oréal que j'adore est beaucoup trop foncé en ce moment. Du coup dans mon placard il me restait que des bébés crèmes de parapharmacie et j'arrivais pas. Écoutez les enfants, je n'arrivais pas à les porter. Je trouvais qu'elles étaient beaucoup trop rosées et du coup ça camouflait pas du tout le rose déjà présent sur mes joues. Si tu veux, ça rajoutait une couche de rose. Le rendu me plaisait pas du tout, c'était pas forcément une question de couvrance, c'était plus une question de couleur. Ce truc là m'a sauvé la vie. Moi j'ai la teinte numéro 22 beige éclat. J'ai appris ça récemment en fait grâce à la CC crème de bourgeois justement, que moi ce qu'il me fallait en termes de coloris de teint, c'était la couleur jaune. Non seulement la couleur est canon et en tout cas hyper adaptée à mes besoins, mais en plus ça tient vachement longtemps. Alors je dirais pas 24 heures parce qu'évidemment je ne porte pas du fond de teint pendant 24 heures, mais disons qu'en fin de journée ça n'a pas bougé, ça n'a pas migré, ça a pas fait d'amas un petit peu chelou qu'on peut avoir avec justement certaines bébés crèmes de parapharmacie. Franchement je suis hyper fan, j'adore ce produit. En plus, donc cerise sur le gâteau, j'ai eu ce truc là pour 8 balles dans le magasin, vous savez, L'Oréal Outlet dont je vous parle souvent et qui se trouve en bas de chez moi. 8 balles, alors que je crois que chez Sephora il est à 23 €, j'ai envie de vous dire, ce truc là je ne m'en passerai plus quoi. Je vais le racheter à l'infini, c'est certain, et je suis très très contente d'avoir trouvé un produit qui va m'aider à passer l'hiver correctement. Je voulais ensuite vous parler d'une palette pour les yeux, c'est la Full Exposure de chez Smashbox. Alors c'est une palette que j'ai depuis quelques temps, mais que j'ai ressortie particulièrement dernièrement, je trouve qu'elle est vraiment hyper hyper bien faite. En fait vous avez carrément une ligne d'irisée et une ligne de mat, donc c'est hyper pratique pour tous les jours et j'ai même envie de vous dire pour les soirées, parce que moi c'est vraiment genre les grisés bleutés comme ça, c'est tout à fait ce que j'aime porter. Puis toutes les teintes bronzes comme ça, c'est hyper hyper flatteur. C'est vrai que les teintes irisées font un peu de chute, je pense notamment à la troisième de cette ligne, c'est la galère internationale, vous avez intérêt de faire attention, mais c'est malheureusement le danger avec ce genre de teinte assez pailletée. Voilà, je fais avec, c'est pas non plus la catastrophe, et la pigmentation est vraiment vraiment super, elle a rien à envier à toutes les palettes Urban Decay. En plus elle est encore en vente chez Sephora si jamais ça vous intéresse, et j'oublie de vous dire qu'elle est vendue avec un pinceau double embout, alors un embout plat et un embout un peu plus fluffy. Je peux pas vous le montrer parce qu'il est au sale justement, parce que je me suis maquillée avec ce matin, mais c'est vraiment genre le meilleur pinceau de ma collection, en tout cas pour me maquiller les yeux. Dès qu'il est lavé je le ressors tout de suite parce que c'est vraiment mon préféré. Donc un gros coup de cœur pour cette palette que j'ai ressortie dernièrement. Je voulais aussi vous parler d'un truc que je vous ai présenté récemment dans mon dernier haul. En fait, c'est le Make Me Brow de chez Essence. C'est un gel à sourcils coloré, un peu à la manière du Gimme Brow de chez Benefit justement, sauf que celui-ci coûte 3 € dans vos supermarchés Auchan. J'avoue que en fait j'étais dans le rayon essence pour un tout autre produit dont je vous parlerai un de ces quatre, et puis celui-ci m'a appelé et il a bien fait. Il a bien fait parce que
Franchement, je l'utilise tous les jours depuis. Alors, je continue de mettre du crayon en base parce que c'est ce que j'aime pour combler notamment le début de mes sourcils. Mais alors, ce truc-là en finition, ça permet de rajouter un petit peu de couleur. Et moi, j'aime vraiment bien quand c'est très très marqué comme ça. Et surtout, ça permet de fixer les sourcils puisque c'est une texture gel. Donc voilà, ça ne bouge plus. Ça ne bouge plus toute la journée. Et puis, c'est très facile à utiliser. Vous voyez, c'est une toute petite brosse comme ça qui permet de justement de vous brosser les sourcils dans le bon sens. Écoutez, je suis très très fan de ce produit-là qui coûte 3 euros. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous attendez? Je voulais ensuite vous parler d'un autre produit que j'ai certainement déjà évoqué précédemment parce que c'est un truc que je rachète depuis des années. Donc voilà, ça fait partie de mes best-sellers. C'est le Good To Go de chez Essie. C'est un top coat donc qui permet à la fois de faire tenir votre vernis plus longtemps, à la fois de faire briller votre vernis, tout simplement renforcer vos ongles et d'éviter que le lendemain votre vernis soit déjà complètement écaillé, ça fout un petit peu la rage. C'est un super produit de chez Essie. Ce que je voulais vous dire, c'est que moi je l'ai eu dans un mini kit. Vous savez, Essie font des kits avec 3 vernis, donc souvent ce sont 2 couleurs plus un truc plutôt soin. J'ai eu ça encore une fois dans le magasin Outlet en bas de chez moi, puisque Essie fait partie du groupe L'Oréal. Je crois que le kit m'a coûté 10 euros, donc en plus là c'est un petit format, c'est très pratique parce qu'en général les top coats finissent par sécher avant que vous arriviez au bout, donc là ça me permet de l'utiliser en entier. Je crois qu'en grand format il a 12 euros ou quelque chose comme ça chez Marionneau, donc voilà, si jamais vous cherchez un top coat, un bon top coat qui vous permet de faire durer votre vernis plus longtemps, le Good To Go de chez Essie, c'est une valeur sûre. Je passe tout de suite aux produits soins, et évidemment je vais vous parler de soins un petit peu plus cocooning parce qu'il fait à peu près moins 40 là dehors, c'est tombé d'un coup ce week-end, je sais pas si c'est pareil chez vous mais on se les caille sévère. Donc forcément mes soins sont plus adaptés à la saison. Je commence tout de suite par vous parler de l'huile démaquillante de chez The Body Shop parce que bah voilà, dès que j'achète une huile démaquillante, c'est quitte ou double, soit ça finit dans les flops, soit ça finit dans les favoris. Celle-ci est bel et bien dans les favoris et j'ai envie de vous dire, elle y sera pendant un moment. Disons que j'avais été un petit peu déçue par la dernière que j'ai utilisée, c'était celle de chez Melvita qui avait une odeur un petit peu forte. Celle-ci sent la camomille, c'est hyper léger, hein, c'est pas du tout entêtant, mais c'est juste agréable en fait, c'est tout ce qu'on lui demande. Et surtout, j'avais été déçue par la texture de celle de chez Melvita qui était un petit peu trop épaisse et du coup qui laissait un film gras sur le visage une fois que vous avez terminé de vous démaquiller. Même si je me nettoie le visage ensuite, c'est pas forcément ce que j'aime. Celle-ci est vachement plus légère, la texture est plus fluide et du coup c'est vachement plus agréable. J'ai aussi appris à utiliser correctement une huile démaquillante, c'est-à-dire que en fait j'ai lu l'article de Hélène, mon blog de filles, c'est d'ailleurs elle qui m'a convaincue dès le départ à me mettre à ce type de démaquillage. Dernièrement elle a rédigé un article genre 5 bonnes façons d'utiliser une huile démaquillante et j'ai appris justement qu'il fallait l'utiliser sur visage sec. Alors c'était pas du tout comme ça que je faisais, c'est-à-dire que moi j'ai toujours humidifié mon visage pour essayer de faire un petit peu... pas moussé, mais si vous voulez, ça se transforme un petit peu en lait une fois que c'est humidifié. Et moi, j'aimais bien cette façon-là. Visiblement, c'est pas la meilleure option. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que voilà, sur un visage complètement sec, j'applique mon produit et je masse. Et c'est vrai que ça accroche vachement plus le visage et ça décolle encore mieux tout ce que vous avez pu appliquer comme fard à paupières, comme mascara. C'est vraiment hyper efficace. Elle sent bon, elle ne colle pas et elle coûte 15 euros chez The Body Shop, ce qui n'est pas extrêmement onéreux, je trouve. Donc voilà, c'est un gros gros coup de cœur. Enfin, je suis très très contente de vous en parler aujourd'hui. Autre grosse découverte, mais alors là je crois que c'est l'une des plus grosses découvertes de 2015 les enfants, c'est le nettoyant micro-polissant de la marque Rennes. Alors ce truc là sort du buisson complètement, c'est à dire que en fait j'ai acheté un kit Rennes, donc c'était la gamme éclat justement avec les bandeaux orange comme ça, en me disant voilà avec l'hiver qui arrive je vais avoir besoin d'un petit peu d'éclat et j'avais surtout un masque dans ce kit qui m'intéressait particulièrement et bah figurez-vous qu'en fait c'est un petit produit qui était à côté et que j'avais même pas remarqué qui me chamboule tout. J'ai utilisé ce petit format comme ça en week-end et j'avoue que d'habitude je range tout ça dans un coin en revenant le dimanche soir et je les ressors uniquement quand je repars en week-end. Ce truc là c'était hors de question, c'est-à-dire qu'il est resté sur le côté de mon lavabo pour que je puisse continuer à l'utiliser même chez moi. En fait ce que j'aime par-dessus tout c'est qu'il a des micro-grains, donc pour moi ça me sert de gommage. Vous savez que je peux pas forcément faire des gommages hyper abrasifs très souvent, c'est-à-dire une fois par semaine comme toute personne lambda, pour moi c'est beaucoup trop, donc soit j'en fais moins, soit j'utilise des produits un petit peu moins costauds, souvent qui ne portent pas du tout le nom de gommage, mais plutôt de nettoyant micro-polissant. Je vous parlais souvent de celui de chez Garantia qui a un petit peu le même effet de nettoyage un petit peu plus en profondeur. Écoutez, celui-ci c'est un petit peu le même principe, je l'utilise le soir après m'être démaquillée, sauf que ici c'est vraiment une pâte en fait, c'est pas du tout une mousse ni une crème, c'est une pâte avec des grains vraiment très visibles en fait. Pour moi ça fait terriblement bien le taf, ça ne fait ressortir absolument pas mes rougeurs et moi c'est tout ce qui me plaît et c'est tout ce qui me fait dire que ce produit
produit-là est réussi ou en tout cas est adapté à ma peau, c'est que voilà, j'ai pas le visage en feu juste après. Donc c'est hyper agréable, ça nettoie en profondeur et effectivement ça aide à redonner de l'éclat à votre peau puisque justement ça va dégager tout ce qui l'a terni. Donc voilà, je suis très très contente de ce produit-là, je suis très contente de la gamme, je suis très contente de découvrir la marque Rennes. C'est pour ça que je vous dis, à mon avis sur 2016, vous allez en entendre parler sévèrement. Gros gros coup de cœur pour le mois de novembre. J'enchaîne évidemment avec les produits un petit peu plus nourrissants. Je voulais vous parler du lait pour le corps de chez Velleda. C'est la gamme à l'amande, mais je dois dire qu'elle sent pas forcément hyper fort l'amande. Vous savez que moi j'aime les choses assez, assez légères et en tout cas les crèmes qui sentent la crème. Pour tout vous dire, par exemple, mon amoureux est allergique aux fruits à coque et ça va, il me supporte. Donc ça prouve bien que l'odeur est pas forcément trop trop présente. J'utilise ça surtout sur les jambes après m'être épilée et puis sur les bras aussi en sortant de la douche. Avec l'hiver qui arrive, c'est vrai que je commence à avoir des plaques de sécheresse. C'est assez rare d'ailleurs chez moi parce que j'ai jamais trop eu de problèmes de ce côté-là. Mais je dois dire, cette année par exemple, je ressens là sur les épaules que je suis un petit peu plus sèche que d'habitude. Faut pas hésiter à hydrater un peu plus que d'habitude dans ce cas-là. Et ce produit-là est super, il colle pas. C'est un lait hyper, hyper onctueux, donc hyper facile à étaler, ça vous prend pas 15 jours. En plus, Velleda, c'est une super marque que vous trouvez en parapharmacie, qui est bio mais qui ne coûte pas forcément 3 bras, donc j'ai envie de vous dire... foncez. Évidemment, je vais encore vous parler de crème pour les mains parce que plus que jamais, il est temps de s'y mettre, les enfants. Si vous voulez pas craquer pendant l'hiver, il faut absolument se tartiner. Celle que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est celle de chez Aderma qui est tout ce que j'aime. C'est une crème assez épaisse, plutôt nourrissante, qui met du temps à pénétrer et moi je trouve ça très très agréable parce que je vous dis, tartinez-vous de crème pour les mains. Entre nous, moi je le fais une fois par jour, je le fais le soir devant la télé. Je le fais absolument pas le midi ou le matin en me préparant. Donc celle-ci, je vous disais, elle est hyper nourrissante, elle met du temps à pénétrer dans votre peau, donc vous avez bien le temps de profiter et de vous masser correctement les cuticules, tout ça, même les pieds. C'est vraiment le genre de produit que j'aime me tartiner sur les mains et sur les pieds. Et une fois que vous l'avez bien massé et qu'elle est bien pénétrée, vous en entendez plus parler. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez vaquer à vos occupations, le taf est fait. L'odeur est très très légère, comme d'habitude. Ça coûte pas grand-chose en parapharmacie. Je suis justement en train de vous préparer pour le mois de décembre une battle entre 3 crèmes pour les mains de parapharmacie justement. Donc restez connectés si jamais ce genre de produit vous est vous aussi indispensable pendant l'hiver. Je poursuis maintenant avec les produits de la catégorie bien-être et évidemment ce qui m'a fait me sentir bien ce mois-ci, c'est la brume de chez 5 Mondes dont je vous ai parlé dans le dernier haul. Écoutez, ce truc-là a changé ma vie, ce truc-là a changé ma vision de tout ce qui est parfum, brume, voilà. C'est-à-dire que moi, vous le savez, j'ai une peau très réactive et dès que je mets du parfum, ne serait-ce que dans le cou, je vais tout de suite avoir des plaques qui vont ressortir. Donc voilà, j'en mets de moins en moins, évidemment j'essaye d'en mettre sur mes vêtements, mais je trouve pas ça suffisant et ça me dérange vraiment, parce que j'adore sentir bon, j'ai envie de vous dire. Du coup, ce produit-là m'a permis de découvrir les brumes parfumées. Alors en plus, elle sent la fleur d'oranger, c'est juste une tuerie. C'est sûr que ça sent moins longtemps qu'un vrai parfum, mais moi ça m'évite les allergies, donc déjà là-dessus, c'est un bon point. Tout ce qui compte, c'est juste que ça m'évite les irritations et c'est vraiment très très chouette de pouvoir se permettre ça. Ça révolutionne un petit peu mon quotidien, donc je suis très très contente. Par contre, quand j'ai cherché sur le site pour vous donner des liens, justement, comme je fais d'habitude en barre d'infos, j'ai remarqué que le produit avait un nouveau packaging. Donc si vous le retrouvez pas à ce format-là, ne vous inquiétez pas. Il faut toujours l'odeur fleur d'oranger et ça, c'est juste merveilleux. Donc voilà, je suis très très contente de ce produit et de nouveaux horizons s'offrent à moi avec les brunes parfumées, c'est super chouette. Je voulais aussi vous parler d'un petit produit de chez Pure Essentiel, c'est un petit roll-on comme ça, donc avec un embout bille justement. C'est un truc anti-stress. J'avais reçu ça par la marque il y a quelques temps et je l'avais pas forcément beaucoup utilisé, mais là vous vous doutez bien qu'en ce moment je suis un petit peu hyper stressée par tout ce qui se passe, l'anniversaire de Loulou qui arrive, par les cadeaux de Noël, par le déménagement, toutes les choses que j'ai envie de faire sur le blog aussi en cette période. Enfin voilà, je suis un petit peu overbookée et tout ça me provoque pas mal de stress, beaucoup de bonheur mais pas mal de stress. Quand on est un petit peu passionné par tout ce qu'on fait et qu'on a envie de faire les choses bien, vous vous doutez bien que ça bouillonne un petit peu là-dedans. Voilà, c'est tout simple, hein, j'applique tout simplement sur mon poignet ou bien parfois aussi derrière l'oreille. Ça fait vraiment beaucoup de bien, c'est hyper frais et je trouve que ça détend. En tout cas, c'est juste un moment où tu penses à toi et tu penses plus à rien d'autre et parfois j'en ai besoin. Je pense qu'il y a une grosse partie de la réussite de ce produit qui se fait dans la tête, mais écoutez, chez moi ça marche, donc si vous en avez besoin, si vous êtes un petit peu sur les dents en ce moment, croyez-moi que en plus ça sent vraiment très très bon, c'est très fort en huiles essentielles, mais si c'est quelque chose qui vous plaît, à mon avis ça va bien vous aider. Donc voilà, je voulais mentionner ce produit-là
parce qu'il me fait du bien. Je voulais aussi vous parler du tour du cou de chez Primark que j'ai acheté début octobre et que j'ai pas quitté depuis. Voilà, c'est juste un truc que j'adore porter en fait. Je trouve ça vraiment très très flatteur en cette période d'avoir des choses claires autour du visage, parce qu'on a déjà le teint clair, donc du coup ça rehausse un petit peu. Je suis très très contente de ce produit là, je l'ai porté tout le mois, donc évidemment ça fait partie de mes favoris. En plus ça coûtait je crois 3€ chez Primark, donc si vous avez l'occasion d'avoir un Primark pas loin de chez vous, ou en tout cas un Primark en construction, parce que je sais que ça fleurit un petit peu partout en ce moment, foncez dès l'ouverture les enfants, foncez, parce qu'il y a vraiment de chouettes affaires à faire. Je voulais aussi vous parler du Top Body Challenge, parce que pour moi c'est un grand favori de ces dernières semaines. C'est un programme de musculation qui se fait sur 12 semaines et que j'ai entamé il y a déjà pas mal de temps. Je vous passe les détails parce qu'il y a une vidéo complète sur ce sujet qui arrive la semaine prochaine, donc ça sert à rien que je m'étale là-dessus. Et ça me permet également de vous donner un petit peu de nouvelles suite à ma vidéo un petit peu confidence sur mes problèmes de poids et mes problèmes d'image de moi-même. Ça va pas forcément mieux. Comment vous dire, j'ai perdu 2 kilos sur les 5 dont on se parlait la dernière fois, mais je me sens toujours aussi gonflée, je me sens toujours aussi lourde, enfin voilà, j'ai du mal à vraiment me sentir un petit peu plus légère et en tout cas avoir beaucoup plus de recul aussi sur ce genre de truc. Je continue de compter mes points parce que mon dieu, mais ça me fait un bien fou. J'ai décidé d'intensifier un petit peu tout ce qui est sport à côté. Donc ce Top Body Challenge là me permet vraiment de resserrer un petit peu mes muscles, de resserrer ma peau et de retendre un petit peu tout ça, de relever les fesses, enfin voilà, j'ai plein de bonnes choses physiquement qui m'arrivent. Je sais qu'on est sur la bonne voie, présentement je suis pas non plus au top, mais on va y arriver tout doucement et j'espère que vous partagez ça avec moi et qu'on avance aussi tous ensemble. Je vous retrouve donc mercredi pour se parler du Top Body Challenge. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que les enfants vous avez passé un bon moment avec moi. J'attends bien évidemment vos retours en commentaire sur tous les produits que je vous ai présentés. Si vous les connaissez, dites-moi ce que vous en pensez, si ça fait les mêmes effets ou pas chez vous. Dites-moi aussi si vous avez d'autres produits cocooning dont vous avez envie de me parler, je suis tout à fait preneuse comme d'habitude. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, parce que c'est l'essentiel. Ciao les enfants. And may you stay forever young.